Myrène Bengoa rêve de devenir journaliste et commence ses études de sciences politiques à Paris. Pendant ses études, elle effectue un stage de 4 mois aux Philippines avec Médecins Sans Frontières. Son travail pour la protection des enfants la touche profondément. Myrène a trouvé sa vocation. De retour en Suisse, elle s'inscrit pour un master en développement à l'École polytechnique fédérale de Lausanne et fait son étude de terrain pendant une année au Burkina Faso. Ses expériences de terrain ne suffisent pourtant pas pour démarrer sa carrière professionnelle dans une organisation non gouvernementale. Quand son ami décroche un poste de Junior Professional Officer, JPO, en Égypte, Myrène le suit et fait du bénévolat auprès d'organisations sur place. Elle suit l'exemple de son ami et réussit à obtenir un poste comme JPO. C'est à son tour d'emmener le couple vers d'autres coins du monde, en Équateur cette fois-ci, pour le Fonds mondial pour la population, UNFPA. Toute jeune et sans expérience dans le domaine, Myrène gère une petite équipe qui travaille pour une meilleure santé des mères. À côté, elle suit des cours à distance pour obtenir un master en santé publique. Puis son ami trouve un travail au Cameroun et Myrène le suit. Elle se fait transférer au sein de UNFPA, mais son travail est moins demandant. Alors qu'elle est enceinte, Myrène décide de rentrer en Suisse, où elle continue de travailler, cette fois comme consultante pour UNICEF. Après la naissance de leur enfant, le couple repart, direction Dakar cette fois. Mais le manque de stabilité familiale les fait rentrer à Paris. Myrène active le réseau des alumni de sciences politiques qui lui permet de postuler pour une place dans une fondation d'entreprise. Il s'agit en fait de la fondation d'entreprise Chanel. Myrène hésite à mettre ses compétences au service de ce grand nom de luxe. Mais l'équipe et la mission de la fondation la convainquent d'accepter le défi. L'expérience de terrain de Myrène a vraiment contribué au développement de la jeune fondation. L'équipe et les projets sont en pleine expansion. Si vous voulez en savoir davantage sur le travail de Myrène auprès de la Fondation d'entreprise Chanel, regardez sa vidéo.